Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Ça va me permettre de te livrer toujours et encore plus de nouvelles vidéos. Puis c'est surtout que ça me permet eh bien, de me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos gratuites sur cette chaîne YouTube. Si tu es intéressé par la location courte durée, tout ce qui est lié à la sous-location, conciergerie Airbnb, investissement locatif dans un cadre d'exploitation en location courte durée, abonne-toi à cette chaîne, tu es sur la bonne chaîne, tu es sur une chaîne où on parle que de ces sujets. Tout ce qui concerne mon actualité, mes business et tout ça, j'en parle, je te fais des vlogs également régulièrement. Eh bien, je t'invite à t'abonner et à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait, tout simplement en déroulant tout en bas ou sur le côté, tu vas découvrir eh bien, un bouton s'abonner. Je t'invite à cliquer et ça va te permettre eh bien, de recevoir les prochaines vidéos et puis également actionner la petite clochette pour du coup être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, eh bien, on va parler de location saisonnière, mais avant, je vais quand même t'offrir trois bonus, trois formations gratuites à découvrir tout en bas. La première, c'est sur l'investissement locatif dans le cadre de l'exploitation location courte durée. Ça, c'est la première vidéo, la première formation. La deuxième, c'est sur la sous-location. Si tu veux lancer un business de sous-location, c'est-à-dire que tu prends des appartements que tu loues à des propriétaires et derrière, tu les mets sur Airbnb. La troisième formation, c'est une formation sur la conciergerie. Si tu souhaites monter une conciergerie Airbnb dans ta ville, eh bien, pour ça, je t'ai préparé des formations gratuites, pareil, à découvrir en bas de cette vidéo. Location saisonnière, c'est mort. C'est le titre de cette vidéo, c'est le sujet de cette vidéo. Et je précise bien location saisonnière, je ne précise pas location courte durée. Et oui, puisqu'en fait, il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a la location saisonnière, c'est-à-dire c'est vraiment, bah, comme son nom l'indique, saisonnière, c'est-à-dire que c'est des saisons. C'est en fonction des saisons, en fonction eh bien, donc des personnes qui vont passer dans votre ville. Donc généralement, la cible, c'est qui? C'est les touristes. A contrario, la location courte durée, ce que je fais depuis très longtemps, c'est de la location, cette fois-ci, eh bien, qui est orientée certes aussi pour des personnes qui sont de passage, donc des personnes, des touristes effectivement, mais pas que. C'est aussi et essentiellement une clientèle professionnelle. J'en parle énormément cette vidéo, je fais beaucoup de vidéos par rapport à ça. Et du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, la location effectivement saisonnière, ça va être très compliqué. Les mois qui vont venir vont être terribles. Je suis même pas convaincu que l'année 2020 sera... Ça sera possible de faire la location saisonnière puisqu'en fait, on voit bien que on est. Donc, je tourne cette vidéo, on est en plein mois d'avril, enfin, on vient de débuter le mois d'avril, donc on est toujours confiné. Ils nous annoncent qu'on va être donc déconfiné normalement début mai. Bon, je pense que ça va être un déconfinement progressif, soit en fonction différente de la tranche d'âge dans laquelle ils vont avoir fixé, soit peut-être en fonction de certaines régions, peut-être en fonction des catégories professionnelles, etc., etc. Mais on voit bien que de toute façon, on ne va pas tous retourner dehors. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à mon sens, sur 2020, les déplacements touristiques, c'est quelque chose qui va être, à mon sens, très compliqué. Je vois pas comment on va pouvoir passer d'un stade comme celui-ci où c'était donc l'urgence, la crise, etc. Ce qui est le cas, hein, c'est la crise donc sanitaire, la crise humanitaire, et ben voilà, on voit bien aujourd'hui les dégâts que ça a provoqué. Et on va pas se... Voilà, c'est très clair, aujourd'hui, ça fait des dégâts, mais ça continuera et c'est pas prêt de... Voilà, ça... les choses vont s'améliorer, mais ça sera pas totalement réglé, cette histoire. Et je pense qu'on aura du mal à s'en sortir, ça va durer un paquet de temps. Et je pense même que c'est une nouvelle manière, de vivre aujourd'hui. Je pense que ce type d'incident va se reproduire régulièrement. D'ailleurs, il n'est même pas dit finalement qu'on ne retourne pas en confinement en fin d'année ou l'année prochaine, etc. Il n'est pas du tout dit puisque... Si ce virus ou un autre eh bien, vient à revenir, ce qui est franchement très probable, eh bien, on va se retrouver être confiné de nouveau le temps qu'on puisse trouver les remèdes, qu'on puisse tester les gens et qu'on puisse derrière eh bien, faire en sorte qu'on puisse éradiquer totalement ce virus. Donc à mon sens, l'année 2020, la location saisonnière, ça va vraiment être très compliqué. Moi, comme tu le sais, j'ai des locations, donc je fais du business à l'étranger, donc plus particulièrement en Thaïlande. Là, c'est franchement hyper sinistré, parce que la Thaïlande, c'est un pays qui vit énormément donc, du flux touristique. Hein. C'est quand même un pays qui a besoin donc, des touristes pour pouvoir derrière
faire son... Parce qu'en fait, il y a vraiment le, donc, comment dirais-je, le business direct, donc tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est Airbnb, tout ce qui est lié autour donc, des déplacements de touristes, mais également aussi tout ce qui est indirect, puisque forcément, les restaurants, les magasins, les marchés, etc., bah, vivent aussi de ce flux touristique. Donc aujourd'hui, ce pays, comme plein d'autres pays, eh bien, sont leur source de, leur source de recettes, eh bien, provient du tourisme. Donc, bah, très clairement, moi je te le dis, je suis hyper impacté. Là, j'ai vraiment très peu de réservations, voire quasiment pas. Très compliqué, ou vendu à des prix très très bas, enfin, qui absorbent pas mes charges. Donc là, très clairement, là franchement, j'ai pas de lueur d'espoir. Je me demande même si, quand est-ce que ça va réellement repartir. Moi, je suis convaincu, toute l'année 2020 va être comme ça. On va sûrement avoir des redéparts. Puis, ce qui va se passer, c'est que les voyageurs vont pas du jour au lendemain retourner dans, vont pas aller voyager dans ces pays-là, vont pas se déplacer tout de suite. Et peut-être même qu'on va avoir des contraintes. Peut-être même que les compagnies aériennes vont mettre en place des protocoles de sécurité hyper restrictifs. Les gens vont aussi avoir très très peur de repartir parce qu'ils se disent que ça se trouve, ça va risquer de se reproduire, etc., etc. Enfin, on voit bien que là, je pense que l'année 2020, on va pas, si on voyage, je pense qu'on va voyager dans l'espace Schengen ou en Europe, mais on va pas, à mon sens, aller faire des gros déplacements à l'autre bout du monde, et notamment dans ces pays-là qui, voilà, où moi du coup j'ai mon activité. Donc tous ceux qui ont des activités autour de ça en ce moment, franchement, ça va vraiment être très compliqué. Moi le premier, hein, en passant, voilà, autant je donne des solutions sur ma chaîne, autant je suis toujours porteur d'espoir, autant je suis toujours positif dans ce que je fais, autant là, sur ce que je fais là-bas, très clairement, j'ai pas beaucoup de lueur d'espoir. J'ai le sentiment même que il va falloir envisager peut-être d'arrêter, quoi. Voilà. Par contre, et donc du coup là, je veux faire le parallèle quand même avec la France. Donc du coup là, moi, je fais de l'exploitation. Donc moi, toutes mes exploitations aujourd'hui en courte durée étaient sur des villes où il y avait un bassin économique et où j'avais depuis le départ, de toute manière, ciblé énormément les professionnels. Donc depuis le départ, c'est vrai que j'avais une stratégie où j'essayais d'approcher uniquement les professionnels, bien que j'avais aussi des personnes qui louaient mes appartements pour, dans un cadre de famille, ils venaient en famille, en vacances, etc., bien évidemment. Mais aujourd'hui, même là, ce que j'en conclus de tout ce qui se passe là, c'est que ma stratégie doit, et je dois continuer. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo en début d'année où je te livrais ma stratégie 2020. Mais franchement, ce qui vient de se passer, bah, ça rentre pleinement dans ma stratégie, c'est-à-dire que je dois aller chercher des professionnels. Je dois absolument trouver donc des entreprises qui vont louer mes appartements et qui vont faire que derrière, eh bien, je vais pouvoir me garantir du chiffre d'affaires de manière assez régulière sans avoir à chercher toujours et encore de nouveaux voyageurs, de nouveaux types de clients. L'idée de, comment dirais-je, de... Je suis désolé, il y a des variations de lumière, c'est un peu embêtant. Là où je suis, il y a pas mal de variations de lumière. Voilà. Donc, du coup, ce que je voulais te dire, c'est que, eh bien, tu vois, c'est vraiment, je te fais ça en instantané. L'idée de ça, c'est que si ta cible, c'est vraiment les entreprises, l'idée, c'est qu'après, tu puisses les fidéliser et ces personnes-là vont revenir régulièrement. Moi, j'en ai dans mes logements régulièrement. Ils prennent tout le temps mon logement. Semaine par semaine ou mois par mois, ils reviennent dans mes logements parce que ils me connaissent, ils peuvent m'appeler à tout moment, ils savent que derrière il y a un service de qualité, que je leur mets tout à disposition, que je suis à leur petit soin, etc. Et ça, ils aiment, et du coup, ils vont pas aller chercher un autre appartement si le tien leur convient, c'est gagné. Par contre, effectivement, des personnes de passage ou des touristes, bah eux, il y a une probabilité pour qu'ils reviennent dans ton logement qui est assez faible, à moins qu'ils reviennent chaque année pour leurs vacances dans la même ville, dans le même appartement, mais la probabilité est quand même beaucoup plus faible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui font la location courte durée, c'est pour ça que j'ai toujours fait la différence entre location saisonnière et location courte durée, parce que pour moi, c'est pas la même chose. Location saisonnière, c'est vraiment, eh bien, tu es en bord de côte, où tu fais de la location d'une villa, ou tu es dans la location de vacances, des choses comme ça. Alors que les locations courte durée, bah, c'est pas la même chose. C'est de la location type hôtellerie, donc la location, bah, courte durée, mais avec une destination, avec une vocation d'aller chercher des clients, bah, des clients plus professionnels, des clients qui viennent régulièrement dans ta ville, parce qu'ils ont des besoins professionnels à effectuer dans ta ville. Donc, moi, j'ai toujours été sur ce créneau-là. Et franchement, je t'invite franchement à aller toi aussi là-dedans. Et si toi, tu fais aujourd'hui de la location saisonnière,
Je te le dis, ça va être très compliqué. Franchement, 2020, ça sert à rien de se dire juillet, août, ou par exemple, c'est au moment de l'hiver, eh bien, je vais récupérer des clients, ça va, etc., etc. De toute manière, même si tu récupères des clients, tu récupéreras jamais le chiffre d'affaires que tu as perdu là. C'est pratiquement impossible. Tu vas pas doubler ton prix ou tripler ou je ne sais quoi, parce que derrière, eh bien, du coup, les personnes vont être amenées à se redépasser. Et encore une fois, je te le dis, il y a très peu de chances qu'on soit très libre de nos mouvements dans les prochains mois, et je pense même pour tout 2020. Je ne veux pas être alarmiste, je ne suis pas là pour faire peur, etc. Mais il faut bien être objectif quand même, il faut à un moment donné poser les choses. Même quand on va sortir de ça, on va être complètement éprouvé de ça, quoi. Donc, et puis les gens aussi vont très certainement perdre en pouvoir d'achat, parce que peut-être qu'ils ont traversé une période de comment dirais-je, eh bien de chômage partiel, peut-être qu'ils ont été licenciés, ou peut-être s'ils sont entrepreneurs, ils n'ont pas eu de chiffre d'affaires, etc., etc. Enfin voilà, on la connaît la chanson. Et donc du coup, c'est des personnes qui auront un pouvoir d'achat qui va complètement diminuer, et donc ça va forcément avoir un impact sur le tourisme, c'est très clair. Donc du coup, si toi, tu avais des logements donc saisonniers, plutôt pour location saisonnière, eh bien ça va être compliqué. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu peux faire, c'est essayer de voir justement pour aller chercher ce type de client, cette clientèle professionnelle, comment tu pourrais les capter. Comment tu pourrais les faire venir dans tes logements pour que, parce qu'il y a très certainement dans ta ville, eh bien, des opportunités peut-être d'entreprises qui ont besoin de logements quand ils viennent en mission, ou quand ils ont des commerciaux, ou quand ils ont des réunions, etc. Donc, essaie de voir comment tu peux, eh bien, capter cette clientèle-là en les approchant, en les contactant peut-être, en prenant ton téléphone et en les appelant en disant, bah voilà, j'ai des locations, etc. Il faut vraiment falloir que tu aies une attitude vraiment proactive par rapport à ça. Si toi, tu fais des locations courte durée, je te le dis, tu es un peu comme moi, je pense que tu dois bien voir que tes réserves, t'arrives quand même à remplir tes calendriers. Et là, quand on va sortir du confinement, on va retrouver donc de l'activité, puisque les professionnels vont être de nouveau amenés à se redéplacer. Et donc, du coup, on va remplir nos calendriers. Mais il faut vraiment que tu aies toujours cette stratégie-là. Donc, du coup, une stratégie, j'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne YouTube. Donc, tu verras, il y a plein de vidéos par rapport à ça. Mais ce que je veux te dire aussi aujourd'hui, et ce message par rapport à ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai mis en place aussi, et je l'ai bien compris, une nouvelle stratégie pour aller capter ses clients. Aller chercher donc ses clients, c'est-à-dire aller les chercher en direct, hors plateforme, avec une stratégie vraiment particulière, aussi pour m'affranchir eh bien, de tout ce qu'on a pu connaître, des politiques d'annulation qui ont changé dernière minute, ou bien devoir casser les prix parce qu'il faut remplir le calendrier derrière, etc. Et du coup, attendre que le voyageur eh bien, ait payé sa réservation pour que du coup on puisse toucher eh bien, le montant lié à la réservation. Il y a quand même plein de petites choses qu'au quotidien on a acceptées, et là on s'est rendu compte des problématiques. Voilà, il y a plein de choses que je me suis dit, finalement, ok, je fais la location courte durée, mais je suis quand même vachement dépendant des plateformes. Et le fait d'être dépendant des plateformes, fait qu'à tout moment, il peut y avoir. Moi en plus, j'ai eu pas mal d'incidents, même sur d'autres sujets par rapport aux plateformes, et qui font que derrière, je me suis dit, finalement, je suis vraiment dépendant d'eux, quoi. Je suis pas libre, j'ai mes logements, mais finalement, je suis dépendant de quelqu'un pour faire mon chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? Eh bien, j'ai mis en place mon propre site internet, ma propre plateforme de réservation, avec une approche pour justement capter ces clients-là, pour aller les chercher. En fait, c'est de la technique finalement de l'hôtel classique, c'est-à-dire tu as ton enseigne, tu as ta base client, tu as ton marketing, ton site internet, ton système de prise de réservation. Moi, j'ai mis tout ça en place en ce moment, je suis en train de le terminer, donc là, c'est en train de sortir. Et l'idée, c'est justement de m'affranchir. C'est-à-dire que certes, je vais quand même toujours utiliser les plateformes de location courte durée, bien entendu. J'ai mon propre channel manager, j'ai mon site internet, j'ai mes plateformes. Et l'idée, c'est que tout ça aille me chercher le chiffre d'affaires que j'ai besoin de faire. Mais qu'à un moment donné, si une plateforme m'oublie, ou que je suis en désaccord avec une plateforme, ou que qu'au moins je puisse être autonome. Il n'y a rien de plus embêtant aujourd'hui que d'être dépendant de quelqu'un dans une conjoncture comme celle-ci où c'est difficile. Être dépendant de quelqu'un, je trouve que c'est encore plus compliqué à accepter, à mon sens, alors que quand au moins tu as mis en place tes propres solutions, quelque part tu peux t'en prendre qu'à toi. Quand là tu es dépendant de quelqu'un, s'il ne fait pas ce qu'il faut pour aller dans ton sens, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé hein, au mois de mars, on le sait tous, mais derrière ça a des conséquences fâcheuses, et la boule, la boule au ventre, la boule ici, enfin bref. Voilà, je pense que tu as dû connaître la même chose que moi. Tu te retrouves avec plus de chiffre d'affaires et tu te demandes comment tu vas pouvoir honorer tes engagements.
Je ne dis pas que ça résout le problème, le site internet, etc., que ça va complètement nous, voilà, nous sauver, mais c'est juste qu'à un moment donné, on se donne aussi un autre canal, un autre moyen. Alors, ce n'est pas uniquement faire un site internet et puis attendre que ça tombe, c'est aussi avoir une attitude active, hein, donc comme tout site internet, comme tout site marchand, si tu fais du e-commerce, eh bien, faut constituer une, comment dirais-je, une communauté. Il faut ta base mail, ta base donc de mailing pour envoyer des messages, pour envoyer des remises, pour il faut vraiment que tu aies tout le package finalement marketing pour pouvoir assumer ça. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi, ce que je t'ai préparé tout simplement, eh bien, c'est une formation gratuite à récupérer en bas de cette vidéo. Et dans cette formation, je t'explique exactement comment ça se passe, ce que j'ai mis en place. Donc, on va sur mon écran. Je te fais voir sur mon écran exactement que tu vois comment ça se passe, que moi, j'ai mis en place et que tu puisses comprendre eh bien, le cheminement, comment j'en suis arrivé à ça et que derrière, toi aussi, tu puisses eh bien, tout simplement appliquer la même chose, faire la même chose chez toi, même si tu n'as qu'un appartement. Ouais, je discutais avec un investisseur qui a un appartement. Il m'a dit, moi, cette stratégie-là, elle me plaît, quoi. Moi, je suis en Bretagne, je suis sur la côte. Donc, je prends beaucoup de réservations au moment donc, des vacances scolaires, notamment en juillet, août, vacances scolaires, le week-end, etc. Et il me dit, moi, je serais très content d'avoir ce système justement pour aller chercher ces clients-là en direct. Et quelque part, eh bien, voilà, m'affranchir des plateformes, puis c'est aussi faire des, aller chercher du chiffre d'affaires. Hein, parce que quand aujourd'hui, on voit bien que les commissions qui sont prises par les plateformes, c'est entre 18 et 20%, bah, c'est vrai que c'est quand même important. Et vu que là, on sent que ça va être plus difficile, on sent que les ménages vont quand même avoir moins d'argent, etc. Je pense que 20%, ça peut aussi faire la différence dans nos locations courte durée. Et puis, c'est aussi un moment donné où je pense que c'est intéressant d'aller chercher en direct des clients qu'on n'arrive peut-être pas à aller chercher à travers des plateformes parce qu'on est aussi mélangé par rapport à tout le monde. Alors, si toi, tu as un beau site internet avec des belles prestations, que tu présentes bien ton logement, que tu vois, c'est du marketing. Et si à un moment donné, tu arrives à le faire transparaître, parce qu'on ne peut pas le faire transparaître ça sur une plateforme de location, une plateforme type Airbnb ou type Booking, on ne peut pas le faire la laisser transparaître. Finalement, c'est assez froid, c'est assez neutre. On est perdu parmi tant d'autres. Alors que si à un moment donné, nous, on a notre propre plateforme avec pourquoi pas des vidéos aussi, tu vois, où tu présentes ton appartement, tu fais vraiment une visite virtuelle, tu présentes l'extérieur, etc., etc. Plus tu vas mettre tout ça en avant, plus tu vas eh bien, finalement convaincre le client, la personne qui passe sur ton site, eh bien, de réserver chez toi plutôt que de réserver chez un autre. Donc, à mon sens, c'est vraiment important aujourd'hui d'aller vers ce type de stratégie et c'est pour ça que je t'ai préparé cette formation gratuite à découvrir. Donc, en bas de cette vidéo, tu renseigneras ton email et tu recevras eh bien, cette vidéo qui va t'expliquer exactement comment j'ai mis ça en place. Ça ne se fait pas n'importe comment parce que c'est l'idée, c'est pas juste mettre un site internet et puis derrière, on met 2-3 photos, le mail et puis ça, c'est plié. Non, derrière, c'est un vrai projet, c'est une vraie plateforme de réservation en ligne avec des paiements en ligne, des cautions en ligne, des messages en ligne, de la facturation en ligne, un channel manager, une identité commerciale, etc., etc. Mais voilà. L'idée de cette vidéo, c'était de te faire une introduction et que derrière, tu puisses toi aussi mettre en place ce type de stratégie. Donc, pour ça, si t'es intéressé, eh bien, voilà, je ne te leur dis pas, tu le sais, c'est en bas que ça se passe. Et ça te permettra toi aussi de mettre ça en place dans ta ville. Tu vas voir que ça ne sera que du plus. Et aujourd'hui, le plus, il faut le prendre. Il faut aller chercher, faut chercher toutes les astuces, tous les moyens pour se garantir de nos business et faire en sorte qu'on puisse continuer nos business et qu'on ne se retrouve pas demain à ne plus pouvoir assumer nos charges du quotidien. Et si à un moment donné, c'était ta seule source de revenus, peut-être même que tu fais de la conciergerie Airbnb, hein, tout simplement. Si tu fais de la conciergerie Airbnb, c'est exactement la même attitude que tu dois avoir et que tu dois proposer à tes clients. Et même pour toi, c'est important, si tu fais ta conciergerie Airbnb, d'avoir ta propre plateforme de réservation en ligne. Et que quelque part, tu peux aussi vendre à tes clients, dire, bah voyez, en rejoignant ma société, et bien derrière, moi, j'ai un service justement où je vais pouvoir aller chercher des réservations en direct et on va s'affranchir des plateformes. Et c'est moi qui vais aller chercher les réservations. Et bien ça, pour un propriétaire, ça, c'est convaincant parce qu'il va se dire, ok, lui aussi, il cherche comment trouver des réservations. C'est-à-dire, il propose des services, mais il trouve aussi des moyens pour justement aller capter des clients et pouvoir remplir mes appartements. Voilà ce que je voulais te dire. J'espère que cette vidéo elle a pu t'inspirer et qu'elle va te permettre bah, toi aussi de, voilà, de mûrir tes réflexions dans ce moment de confinement pour bah, justement préparer la sortie et qu'on ressorte plus fort de ça, qu'on en ait tiré des conclusions et que derrière, on ressorte avec
des constructions, des objectifs, on a mis en place des choses et on fait que derrière, eh bien, voilà, on ressort de ça, on est changé. Et on est changé cette fois-ci pour aller chercher plus qu'on faisait auparavant. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Ciao!